Alors, nous allons poursuivre avec Laura Pomporte, donc notre championne de squash, hein, médaillée de bronze au dernier championnat du monde, mais c'est la tête et les jambes. Alors. Et Laura, donc, en train de mener un doctorat donc, à Marseille sur les aspects cognitifs. Et elle a participé notamment à une recherche à l'INSEP sur les effets de la cryothérapie, sur les différentes réactions visuelles et sonores. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet. Donc, Laura, c'est à toi. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter un protocole de recherche qui a été initié par le département médical de l'INSEP et dont l'objectif était de voir les effets de l'utilisation quotidienne de la cryothérapie corps entier sur la réponse hormonale, neurovégétative et le fonctionnement cognitif. Donc juste une présentation rapide de la cryothérapie corps entier. Donc nous, comme l'a présenté Julien Louis avant, ce protocole-là, c'est vraiment que de la cryothérapie corps entier. Donc les personnes sont totalement immergées dans une chambre. Donc l'historique, c'est une technique qui fait ses apparitions dans les années 80 au Japon. L'objectif primaire était de traiter les rhumatismes. Aujourd'hui, la technique a un peu évolué. On retrouve pour la cryothérapie corps entier des sas avec deux ou trois chambres hermétiques. Celle de l'INSEP en a trois. Et les sujets vont passer consécutivement d'un premier sas à moins 20, moins 60 pour arriver à la dernière chambre où ils seront exposés à moins 110 degrés pendant 3 minutes. Donc quel est l'effet? Donc on a un gros choc thermique avec une diminution de la température corporelle assez importante. On va avoir une forte vasoconstriction qui va apparaître et dont l'objectif est double. C'est à la fois de diminuer la température cutanée et donc limiter la déperdition thermique, mais aussi de limiter les échanges en fait entre le noyau et l'écorce et donc éviter qu'il y ait une trop grande diminution de la température centrale. Donc, pour vous montrer, comme Julien Louis l'a dit avant, il y a eu plusieurs papiers qui sont intéressés aux effets physiologiques de la cryothérapie corps entier. Donc, je vais récapituler rapidement les effets qu'on a trouvés au niveau physiologique. Donc, un effet antalgique dû à un ralentissement de la conduction nerveuse, mais aussi dû à une action anti-inflammatoire, donc diminution des médiateurs de l'inflammation et augmentation des médiateurs anti-inflammatoires. Un effet sur la régulation neurovégétative avec une stimulation donc, du système nerveux autonome qu'on retrouve par une augmentation de la tension artérielle, mais aussi du système parasympathique. Comme on l'a vu, on a une diminution de la fréquence cardiaque et on a une augmentation de la variabilité cardiaque, donc HRV, qu'on verra par la suite. Des effets aussi au niveau neuro-endocrinien. La stimulation sympathique va entraîner une augmentation des taux de catécholamine. On a aussi une augmentation du taux de cortisol, donc l'hormone de stress. Une action au niveau du stress oxydatif, diminution de l'activité oxydante et diminution de l'apparition des radicaux libres. Et les effets aussi, donc pas énormément de papier, mais des effets sur l'humeur. Donc une exposition aiguë, on a montré que ça avait un effet sur une amélioration de l'humeur. Et on a eu une diminution des symptômes dépressifs avec une exposition à cryothérapie corps entier de façon répétée. Et aussi, comme on l'a vu, des effets sur le sommeil, donc amélioration de la qualité du sommeil. Donc ça, donc, comme on l'a dit, deux applications, des applications médicales, donc vous connaissez sans doute mieux que moi, donc au niveau arthrite, polyarthrite, rhumatoïde, sclérose en plaques, et des applications donc sportives. Donc là, soit sur un aspect plutôt prophylactique, soit en récupération, que ce soit sur les lésions musculaires, tendinopathie, lutter contre le surentraînement. Nous, on est parti de ce constat-là. On sait que dans beaucoup de disciplines, la performance sportive dépend autant de la performance physique que de la performance cognitive. On a vu que la cryothérapie corps entier avait des effets au niveau physiologique, mais qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif? Est-ce que la cryothérapie peut améliorer le fonctionnement cognitif? Donc en fait, on s'est basé sur deux processus en particulier. On aurait pu en choisir plusieurs. Le premier processus qu'on a voulu étudier, c'est l'estimation temporelle. Comment est perçu le temps? On sait que les durées font partie intégrante de nos comportements et la perception du temps est quelque chose de primordial dans la performance. L'autre processus qu'on a voulu étudier, c'est l'évaluation du contrôle cognitif. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble des mécanismes qui sont mis en jeu pour résoudre un conflit entre une réponse qui est dite automatique, donc une réponse qui va apparaître rapidement, et une autre réponse qui va plus correspondre à la règle, à une action dirigée par un but. Donc notre problématique a été la suivante, est-ce que les expositions donc, à la cryothérapie corps entier de façon aiguë et répétée peuvent améliorer le fonctionnement cognitif? Donc on a voulu vraiment évaluer et comparer les deux.
Donc, les sujets de ce protocole, donc 28 sujets, que des hommes qui ont été recrutés au sein de l'INSEP ou dans les clubs sportifs aux alentours, donc des hommes âgés de 20 à 45 ans. Tous ont une pratique sportive régulière. Certaines personnes ont été exclues du protocole, ou du moins c'est des critères d'inclusion. Ça a été des personnes vulnérables définies par le code de santé publique, ou les personnes qui présentent une contre-indication à la pratique médicale, à la pratique sportive, pardon, ou à la cryothérapie corps entier. Concernant notre protocole, voici le schéma expérimental. Donc, à J-1, le protocole a commencé par un apprentissage des tests cognitifs. Donc, vous vous souvenez, c'était les deux tâches, soit évaluation du contrôle cognitif, soit estimation du temps. Il est important d'avoir une phase d'apprentissage pour que la performance soit vraiment stabilisée. Ce qu'on veut, c'est, quand on va mesurer nos variables, être sûr que les variations sont dues vraiment à la cryo et pas à l'effet test-retest. Donc, un apprentissage des deux tests et des prélèvements sanguins. Donc, nous, ça sera le cortisol. À J0, une mesure de HRV, c'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, pour voir l'état du système nerveux autonome. Et des tests cognitifs, ça va être ce qu'on appelle les mesures pré, avant l'apparition de la cryo. À la suite, chaque sujet va réaliser une session de cryothérapie par jour de 3 minutes, donc une exposition à moins 110 degrés. À la fin, on refait exactement les mêmes mesures, variabilité cardiaque, test cognitif. L'objectif, c'est d'avoir des mesures post-cryo répétées. Je vais pouvoir voir l'effet de cette cryo répétée sur mes deux variables. Une période sans exposition de 7 jours. Et à l'issue de ça, ce qu'on appelle le washout, on refait exactement les mêmes variables, HRV, test cognitif, prélèvement sanguin. Donc là, j'ai l'effet de la cryothérapie répétée. On a eu deux groupes, un groupe contrôle et un groupe expérimental. Les deux sujets ont réalisé exactement le même protocole. La seule chose qui diffère, c'est l'exposition à la cryothérapie. Pour voir l'effet de la cryothérapie aiguë, c'est exactement le même protocole, ce sont les mêmes sujets. La seule chose qui diffère, c'est qu'à un instant T, le jour 2, ou le jour 3 ou le jour 4, on a rajouté des mesures avant et après une séance de cryo. Ce sont les mêmes mesures, variabilité cardiaque et test cognitif, ce qui nous permet en fait de voir l'effet d'une seule séance de cryo en pré- et post-cryo. C'est comme ça qu'on les appelait. Les mesures que nous avons étudiées. Donc, sur la récupération neurovégétative, comme on l'a expliqué un peu avant, on a fait une étude de la variabilité cardiaque, donc une méthode non-invasive basée sur l'électrocardiogramme qui permet d'évaluer l'état du système nerveux autonome. On s'est basé sur un indice qu'on appelle le RMSSD, un marqueur de la modulation vagale, et on l'a mesuré. Donc, on a voulu voir les effets répétés et les effets aigus. On a aussi évalué la fonction endocrinienne avec un prélèvement sanguin de cortisol. Et ça, on a voulu voir l'effet de la cryothérapie répétée. Donc, les mesures ont été faites en pré, post et washout au jour 17. Je vais vous présenter le premier test cognitif que nous avons étudié. Donc, donc, les sujets sont dans une salle fermée, bien au calme. C'est vraiment important. Ils ont un casque et deux manettes, une dans chaque main. Le premier test, donc, c'est une estimation du temps. Dans une phase d'apprentissage, il y a deux durées qui vont être présentées au sujet, donc il va entendre, ça va être bip ou bip, 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 on va alterner, et à chaque fois on va demander au sujet, si quand c'est une durée courte, vous appuyez à gauche, si c'est une durée longue, vous appuyez à droite, et on va alterner, etc., plusieurs fois pour qu'ils arrivent bien à mémoriser les deux durées modèles. Une fois que ça c'est fait, on va introduire des durées intermédiaires qui vont être donc des durées intermédiaires de 220, 290 ou 260 millisecondes. Et le sujet va devoir les classer comme plutôt courtes ou plutôt longues. Si elle est plutôt courte, il appuie à gauche. Si elle est plutôt longue, il appuie à droite. Et en fait, on a un indice qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle le PES, le point d'équivalent subjectif. Et en fait, cette petite variable, c'est un indice du biais de l'estimation temporelle. On se rend compte que les sujets... ce PES peut soit diminuer... Et en fait, les sujets vont surestimer le temps qui passe. Si on a une surestimation, en fait, on a une accélération de l'horloge interne. Ou au contraire, si cette valeur-là diminue, les sujets vont avoir tendance à sous-estimer le temps qui passe. Et là, c'est considéré comme un ralentissement de l'horloge interne. Donc ça, c'est vraiment... je vous explique comment passe le premier test sur l'estimation temporelle. La deuxième tâche cognitive que nous avons utilisée... C'est une tâche de conflit, c'est un temps de réaction. Donc là, les sujets sont toujours dans la même pièce, on leur enlève le casque, ils sont face à un écran. Donc ils ont un point de fixation central, ils ont toujours leur manette,
et ils vont avoir une forme qui va apparaître de façon aléatoire à droite ou à gauche de cet écran. Donc soit un carré, soit un cercle. La règle qu'on leur donne, c'est si c'est un carré, vous devez appuyer à droite, si c'est un cercle, vous devez appuyer à gauche. Consigne, vous devez répondre le plus vite possible, c'est la caractéristique première, en essayant de faire le moins d'erreurs. Donc là, vous avez un conflit entre vitesse et précision. Voilà comment se passe ce test. Sauf que vous avez deux types d'essais. Dans un premier temps, tout va bien, vous avez le carré qui apparaît à droite ou un cercle qui apparaît à gauche, vous appuyez soit à droite, soit à gauche. On voit que, le stimulus apparaît du côté ipsilatéral à la réponse. Donc les deux côtés sont associés. C'est ce qu'on appelle un essai compatible. OK ? Maintenant, vous avez un carré qui va apparaître à gauche ou un cercle qui va apparaître à droite. Là, le stimulus apparaît du côté contralatéral à la réponse. Là, c'est ce qu'on appelle un essai incompatible. Et là, classiquement, il va y avoir un conflit qui va apparaître. Un conflit entre quoi ? Entre une réponse automatique. La réponse automatique, elle est liée à la localisation spatiale. Quand vous avez un stimulus qui apparaît à gauche, vous avez envie d'appuyer à gauche, sauf que des fois, il faut appuyer à droite. Et donc, c'est un conflit entre cette réponse automatique et la réponse qui est requise par la règle. Ça, classiquement, c'est ce qu'on appelle un effet d'interférence ou de Simon. Et sur les variables que l'on va étudier, qui sont le temps de réaction et le pourcentage d'erreur, ce type d'essai incompatible augmente énormément, enfin, du moins, augmente ce temps de réaction et ce pourcentage d'erreur. Voilà, donc concernant les résultats de ce protocole, dans un premier temps, les paramètres physiologiques. Donc sur l'adaptation neurovégétative, on avait étudié la variabilité cardiaque. Sur les effets de la cryothérapie aiguë, donc avant, après une seule exposition de 3 minutes. Voilà ce que l'on obtient. On obtient une augmentation significative du RMSSD. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une réactivation parasympathique, que la cryothérapie va dans le sens d'une récupération neurovégétative. On a une réactivation parasympathique. Si on compare avec les effets de la cryothérapie répétée, donc 9 séances, donc les mesures avant et après 9 séances, là, nous n'avons pas vu de différence sur cette variable-là, cet indice. Donc pour nous, il n'y a pas eu d'effet de la cryothérapie répétée sur le RMSSD. À chaque fois, je ne vous mettrai pas d'effet sur le groupe contrôle. Ça veut dire que tous nos résultats ont été comparés avec un groupe contrôle pour être sûr qu'on mesure bien l'effet de la cryo et pas l'effet test-retest d'un protocole qui dure presque 2 semaines. Concernant la deuxième variable, les adaptations endocriniennes, sur l'effet de la cryothérapie répétée, voilà ce que l'on obtient. On voit qu'on a une diminution significative du taux de cortisol entre pré et post, donc après 9 séances de cryothérapie. Donc, non seulement on a une forte diminution du taux de cortisol, mais en plus, si on regarde, on voit que cet effet-là se maintient 7 jours après. On a aussi une différence significative entre pré et washout. Donc, même après arrêt de la cryothérapie, sur 7 jours, les effets bénéfiques sur on a toujours des effets bénéfiques sur le cortisol. Voilà, maintien au moins pendant 7 jours. Là encore, pas d'effet sur le groupe contrôle. Concernant la première tâche, la bisection temporelle, vous vous souvenez, c'était l'estimation du temps. Les sujets devaient catégoriser des durées comme plutôt courtes ou plutôt longues. Sur les effets de la cryothérapie aiguë, donc une seule séance, voilà ce que l'on obtient. Donc, c'était notre PES, notre point d'estimation d'équivalence subjective. On retrouve qu'on a une augmentation significative de cette variable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, je vous avais dit que si le PES augmentait, ça traduisait une sous-estimation des durées. Bon, jusque-là, il faut me croire, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, cette sous-estimation des durées, ça traduit une diminution de l'éveil cortical. Donc, sur une séance de cryothérapie, on irait plutôt dans un sens de diminution de l'éveil, ce qui n'irait pas pour un effet favorable de la performance cognitive. Sur l'effet de la cryothérapie répétée, on a les résultats inverses, c'est-à-dire qu'on a une diminution significative du PES. Après 9 séances de cryothérapie répétées, les sujets ont tendance à surestimer des durées, ce qui veut dire que leur horloge interne s'accélère, et ça se traduit comme une augmentation de l'éveil cortical, et donc probablement comme un effet favorable pour la performance cognitive. Là encore, pas d'effet test-retest. La tâche de Simon, donc le conflit, les carrés et les ronds, les effets aigus, nous n'avons rien vu. Pas d'effet sur le temps de réaction, pas d'effet sur le pourcentage d'erreur. Donc, a priori, une séance de cryothérapie aiguë, on ne peut pas dire que ça améliore la performance sur ce test-là. En revanche, pour l'effet de la cryothérapie répétée, voilà ce que l'on obtient.
Donc là, c'est assez intéressant. Donc vous avez en jaune les essais dits incompatibles, quand vous avez l'apparition d'un conflit, et en rose, les essais compatibles, donc sans conflit. Vous voyez bien que les temps de réaction sont différents entre les deux types d'essais. On remarque que quel que soit le type d'essai, on a une diminution du temps de réaction, donc une différence significative, une diminution pour les deux essais. Et on voit aussi que pour les essais incompatibles, donc les jaunes, quand vous avez l'apparition d'un conflit, cet effet-là se maintient 7 jours après l'arrêt de la cryo. On a aussi une différence significative entre pré et washout. Donc non seulement dans les deux cas, on améliore le temps de réaction, mais en plus pour les essais incompatibles, cet effet-là se maintient 7 jours après l'arrêt de la cryo. L'analyse du temps de réaction serait rien si on ne s'intéresse pas au pourcentage d'erreur. Là, voilà ce qu'on obtient. On n'a pas de modification du pourcentage d'erreur, quelle que soit la session et quel que soit le type d'essai. Donc vous allez me dire, c'est pas super, sauf qu'en fait, pour nous, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas eu de changement de stratégie des sujets. Les sujets auraient pu se dire quoi ? Oui, ils vont beaucoup plus vite, mais ils prennent beaucoup plus de risques. Donc on a une augmentation du pourcentage d'erreur. Or, nous, c'est pas du tout ce qu'on a. Donc on est sûr que les résultats significatifs que nous avons sur les temps de réaction ne sont pas dus à un changement de stratégie du sujet, et ça, c'est vraiment important de le noter. Là encore, le groupe contrôle réagit totalement différemment. Donc, si je fais un petit résumé, sur les effets de la cryothérapie aiguë, on a un effet de réactivation, donc de récupération neurovégétative. Okay. On a une sous-estimation temporelle, donc on va plutôt dans le sens d'une diminution de l'éveil cortical, ce qui ne va pas en faveur d'une amélioration des performances cognitives. On n'a aucun effet sur les TR et les pourcentages d'erreurs. Si on prend les effets de la cryothérapie répétée, voilà ce qu'on obtient. On a une diminution du taux de cortisol, donc l'hormone de stress, avec un maintien de cet effet pendant au moins 7 jours. On a une surestimation temporelle, que l'on peut interpréter comme une augmentation de l'éveil cortical. Ça, c'était sur le test des durées. On a aussi une amélioration des temps de réaction pour les deux types d'essais, avec un maintien dans les après 7 jours, en washout. Et sans variation du pourcentage d'erreur, ce qui veut dire qu'on n'a pas de changement de stratégie du sujet. Donc on a une réelle amélioration des performances cognitives dans les deux tests que nous avons mesurés. Donc on va plutôt, les effets plus importants seraient liés à la cryothérapie répétée. En conclusion, je termine juste pour dire que c'est vraiment la répétition d'un stress thermique qu'on va impliquer sur une cryothérapie aiguë, de façon aiguë, qui va entraîner des adaptations physiologiques et comportementales, puisque nous, c'est ce qu'on mesure, qui serait responsable des effets bénéfiques de la cryothérapie corps entier répétée. Voilà, je voulais juste... et je voulais faire une comparaison rapide avec... C'est un peu comme dans l'entraînement. Quand vous allez entraîner une séance, vous allez faire une séance d'entraînement, vous allez avoir une diminution des performances, sauf que avec l'accumulation, vous allez avoir une surcompensation. Je pense que ça peut être un peu ce qui se passe avec la performance cognitive dans notre cas. Voilà, je voulais juste remercier nos partenaires, l'INSEP, donc qui a été à l'initiative de ce projet, les deux laboratoires auxquels je suis rattachée, CNRS et l'AMNES, les deux universités, Marseille Université et le CREPS-PACAI, la Fédération française de squash. Merci beaucoup. Merci Laura. Une première question, Gaëlle. Bonjour, merci beaucoup. Franchement, c'est super intéressant. Un exemple de projet interdisciplinaire vraiment, vraiment riche, puis qui est une des perspectives de ce qu'a présenté Julien. Donc, merci beaucoup. J'avais une question relative à vos résultats. Est-ce que vous avez une idée de la variabilité de vos tests ou la reproductibilité de vos tests et l'évolution des groupes contrôle que vous n'avez pas présentés pour savoir si, de toute façon, visiblement, ça sort, mais quelle est finalement l'amplitude de l'effet ? Est-ce que ça se situe dans la marge d'erreur de votre mesure ou pas du tout ? En fait, pour le groupe contrôle, les données étaient assez compliquées. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des stats. On a séparé les deux et on a regardé si les résultats étaient les mêmes pour le groupe contrôle du groupe expérimental. C'est comme ça qu'on a fait, en fait, pour voir... Et vous n'avez pas fait d'évaluation de la repro des tests que vous avez présentés ? Non, d'accord, ok. Parce que la taille de l'effet, le pourcentage d'effet... Oui, je ne les ai pas mis. Non, mais... Je ne les ai pas mis parce que... C'est simplement pour avoir une idée de ce que ça pourrait avoir comme répercussion sur la performance derrière. Parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est quand même des effets relativement modérés qui sont significatifs. Oui, qui sont relativement significatifs. En tout cas, bravo, merci beaucoup. J'ai une petite question. Parce que dans ce protocole, la caractéristique aussi, c'est qu'on faisait les séances assez tard dans la journée, milieu de fin d'après-midi, et parfois c'est pas ce qui est fait si on veut essayer d'étendre aux indications sur des patients ou sommeil, etc. Ou pour l'instant on fait plutôt les séances le matin. Est-ce que tu penses que justement l'horaire dans la journée peut avoir
une conséquence sur les résultats que tu as présentés? Alors, c'est peut-être logique sur le cortisol, oui, mais sur les performances que, aussi. C'est sûr que le taux de cortisol, il va varier au cours de la journée, mais j'ai envie de vous dire, tous les sujets ont réalisé les mêmes performances au même horaire. Donc sans doute qu'on aurait peut-être des variations dans la performance cognitive liées à l'horaire, mais dans le cas, on ne peut pas dire que dans notre cas, que l'horaire influence, puisque que ce soit notre groupe contrôle ou tous les sujets, ils ont tous fait à la même heure. Donc on est sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment dû à la cryothérapie, à cette variable-là, et pas à l'horaire, même si c'est peut-être que ça aurait influencé la performance. Oui, bonjour. Je voulais juste une question avec le test de Simon. Savoir si vous n'avez pas vu d'erreur globale, mais est-ce qu'entre le côté gauche et le côté droit, on peut observer des différences? Alors ça, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il faut savoir que toutes les tâches sont contrebalancées. C'est-à-dire que je vous ai dit que la règle, c'était carré à droite et cercle à gauche, mais en fait, j'ai menti, c'est pas ça. En fait, c'était juste pour être plus rapide. On a un contrebalancement, c'est-à-dire que chaque sujet, on alterne la règle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet, justement, que le carré à droite et cercle à gauche aient un impact. Toutes les durées, tout est contrebalancé. Pareil pour l'estimation de durée. J'avais dit court à gauche et long à droite. Bref, à chaque fois, c'est contrebalancé. Oui, rapidement, une petite remarque. Bravo, super, belle étude. Simplement, moi je pense que vous avez deux résultats dans la même étude. Je pense qu'il ne faut pas dévaloriser le premier résultat, l'effet aigu. En fait, c'est intéressant, je pense que c'est tout à fait logique de voir que finalement il y a une prédominance parasympathique, l'organisme se met en veille et ça va dans le sens des études d'amélioration du sommeil. Je pense que c'est assez intéressant. Oui, non, oui. Je suis entièrement d'accord. Alors après, ce que j'en pense, c'est que je me suis mis déjà dans le contexte d'ici. Je me suis dit, les gens. Ils vont me dire bah, qu'est-ce que vous conseillez. Donc au final, c'est pour ça que j'ai voulu montrer ce qui nous marchait le mieux. D'accord. Après, oui, sans doute que... Oui, je suis d'accord que les effets sur la cryothérapie aiguë sont... Enfin, du moins, il n'y a pas d'effet favorable sur la performance cognitive, mais que ça peut être mis en relation avec les résultats physio qu'il y a eu avant. Mais je me suis plus basée sur ce que les gens voulaient peut-être aujourd'hui. Très bien.